dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle On se retrouve aujourd'hui pour les achats de Noël. Ouais. Hein, avec de Icarus PG. Bonjour. Donc on a eu encore beaucoup de choses comme l'année dernière. Hey. Donc ça va se faire en 3 ou 4 parties. 3. 4. 4 je crois. 4. 1, 2. Non, 3 d'or. Ah 3. 3. Bah, en 3 parties. Donc en 3 parties. Pas en 5 comme la dernière fois. Hein. Ouais. Donc en 3 parties cette fois. Donc on va commencer tout de suite. Dorian, commence, t'as plus de choses que moi. Je commence tous mes trucs. Ou je peux en présenter un? Bah je sais pas. Ça te dérange? J'ai pas plus de choses hein, en fait. Ah bon? T'en as un 3. Bah vas-y, présente, vas-y, montre. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Ah et celui-là. Non? Bon bah allez celui-là alors. Allez, je vas-y. Lequel? Celui-là. Allez. Bon, alors bah déjà non, déjà présente je allez. Pense, c'est la base, je pense. Attends, désolé, on a présentes. Beaucoup de trucs, du coup, voilà. Alors je commence par la base. Désolé, je dois me lever. C'est. La PS4 avec, voilà, la 3 PS4 jeux. Comme ça. Bon bah on présente, non? Ouais, vas-y. Allez, avec les 3 jeux, voilà. Tous en boîte, super hein. Ouais, j'y ai pas cru quand ils étaient tous en boîte du coup, triple voilà. Remake. On commence avec, voilà, mon cadeau de... God of War 3. De Noël. Donc ça c'est le gros cadeau de Dorian. Uncharted collection, Nathan Drake collection. Ouais. Et The Last of Us Remastered. Donc 3 jeux qu'on n'a pas. Impeccable. Ouais, donc je vais poser ça là, on le repasse là. Même si pour toute dernière heure, les Uncharted je les ai fait. Et c'est... The Last of Us. Ouais, mais. Et toi, The Last, tu l'as pas fini. Non, j'ai pas fini, je suis arrivé à la boîte. Oh merde. Et c'est Inatera. Voilà. Ouais, c'est Inatera. Je te conseille vraiment de le faire celui-là. Et je vais les mettre là. Voilà, donc à toi. Alors, à moi. Alors, moi aussi, vous devez vous en douter. Ça y est, je l'ai. Par le lourd. Je l'ai enfin, c'est Laver Media. Donc là, je sais pas si vous voyez, non, mais il y a écrit Laver Media. C'est ça qu'il voyait. Il y a écrit Laver Media. Il est beau. Il est très beau. Voilà, le petit boîtier de capture. Donc il faudra que j'apprenne à m'en servir. Si vous avez des conseils hein, pour Laver Media, pour ceux qui en ont déjà, hein, ouais, pour ceux qui savent bien s'en servir, nous ouais, on débute. De... Donnez-moi des conseils parce que je débute, c'est le premier game capture que j'ai. Donc franchement, n'importe quel conseil serait bien. Franchement, dites-moi tout ce que vous savez sur Laver Media, ça m'aiderait. À moi. Donc je vais continuer je avec. Compte la... sur vous. Je vais continuer avec la PS4, c'est ben, un casque. Un casque pour la PS4 parce que j'en avais pas et puis c'est toujours pratique. Hein. Un micro-casque. Ouais, c'est toujours très utile et du coup voilà, ça va m'être très utile pour jouer. Et quoi toi? Moi c'était montre ça, pas mal. Un cadeau de Noël. Ouais, ça c'est pas un cadeau de Noël, c'est un des derniers achats hebdo mais vous le connaissez pas, donc c'est un mini-classique. C'est une Game & Watch Spider-Man. Mini-classique, donc sympa. C'est un remake, hein. c'est un refait, c'est pas un des années 80, hein. On va pas abuser. Mais c'est un remake que vous trouvez à Micromania en fait, donc sympa, sous blister rigide. Très sympa, acheté pour 1€ je crois, 1 ouais. ou 2€, pas cher, vraiment pas cher. Ah, ah ouais, j'avais oublié. C'est vrai, ouais. J'avais oublié ça. À toi alors. Bah moi je vais présenter ce que j'ai eu, c'est un Amiibo Ganondorf. Ah ça c'est cool pour ma collègue Zelda. Et pour ma collègue d'Amiibo c'est vraiment clair. Cool, elle est là en fait, du coup voilà. Sympa. C'est, ouais. c'est vraiment cool, ça me fait un Amiibo. Dommage il est un peu abîmé à droite mais bon. Oui mais c'est pas grave, il est quand même stylé. Et Ganondorf. Ça fait Ganondorf. Du coup maintenant j'ai Link Cartoon, Link et Ganondorf. Il manque plus que Zelda. Franchement Ganondorf c'est pas sa tenue que je préfère hein. Mais il est plus classe dans Ocarina of Time ou... Ouais mais il est beau quand même. Ouais enfin... mais il est plus classe quand même. Ouais. Il y a donc mieux. Voilà, Ganondorf en Amiibo, à toi. Alors moi cette fois c'est du Yu-Gi-Oh hein. Alors Yu-Gi-Oh, un truc, je t'ai étonné de l'avoir. C'est un tripack Les Dragons de Légende 2. Il est beau. Ouais, franchement, je le trouve très beau. Un petit ouverture tripack. Sur ta chaîne Bah oui. Hein. Donc tout ce que vous voyez en Yu-Gi-Oh sera ouverture, à part un cas exceptionnel, ce sera pour, je vous le dirai quand on l'aura. Donc Les Dragons de Légende 2, petit tripack, 5 cartes par pack, donc impeccable. Je suis très content, franchement, de ce truc-là. C'est joli. Je trouve donc, très joli. Donc, à moi, bah moi, je vais continuer avec un truc. C'était les pochettes surprises Minecraft. Bah j'en ai eu une et j'ai eu la vache. Qui est très stylée. Et elle bouge. Ouais. Et du coup voilà, j'ai une petite vache Minecraft. C'est vraiment stylé. Franchement je suis très content. Mais j'ai plus de porte-clé du coup je pourrais pas la mettre. Ouais. Du coup à toi. Et moi le dernier truc c'est
Alors là, il n'y a que moi qui ouvre ça sur YouTube, je te jure. Des packs comme ça, il n'y a que moi. Je te promets, il n'y a que moi qui ouvre ça. Donc ça fait le troisième que je vous ouvre, c'est le pack de 5. Je vous jure, c'est le troisième. Je viens lui avec, ça fait le troisième, bon. Ouais, allez, ça fait le troisième. On va l'avoir, on va l'avoir, les amis. Ne vous inquiétez pas, on va l'avoir. Il approche. Le mec qui persiste. Donc voilà, pack de 5, le troisième que je vous ouvre, mais souvent vous aimez bien. Ce que je vous ouvre, c'est pack de 5. Et moi, j'adore ouvrir ces packs de 5 là. Donc, avec un booster origine prédictive, 3 l'héritage de Brave et un jugement lumière. On verra ce qu'on aura. Voilà. Attends, toi, tu t'attendais pas à avoir ton tri-pack. Non, moi, je m'attendais pas, c'est à avoir ça. Ça, c'est joli. Hein. Ouais, c'est un pack Minecraft avec, avec un cheval, un cochon, Steve et puis des blocs. Bon, Steve, tu l'as déjà, je crois. Ouais, Steve, je l'ai déjà. Mais j'ai pas la carotte. Ouais, ça, ouais. C'est justement ce que j'allais te dire. La carotte. Et t'as des blocs aussi. Mais j'ai envie de la laisser comme ça, regarde, elle est stylée comme ça. Et j'essaie de retirer le truc devant, mais ça fait tout bouger, du coup, je sais pas. Mais t'as pas envie de l'ouvrir, en fait, c'est ça, tu me dis. Je l'ai déjà ouvert. Tu l'as déjà ouvert? Ouais, je l'ai déjà ouvert un peu, mais genre, si je retire le truc devant, tout s'en va, en fait. Ah. Du coup, je l'ai remis, mais je sais pas, en fait, si je vais tout virer et puis remettre exactement comme c'était dans ma chambre. Tu peux pas les remettre? Quand tu joues avec, si tu vas jouer avec, si, je peux les remettre, mais je sais pas, je vais essayer de virer en fait tout ce qu'il y a autour et puis garder le fond et puis ça. Ouais. Comme ça, ça fera joli. Voilà. Du coup, ça, c'est le cadeau. Voilà. Non, là, sympa. Dommage, ça aurait été sympa, hein, Steve Full Diams, vu que t'en as pas. Non, je sais pas. T'en as pas, hein, tout ce Steve Full Diams. Non, je sais pas. Mais celui-là, c'est le plus gros pack. Ouais. C'est vrai. Sympa. C'est le plus gros pack de figurines qu'il y a. Donc, on vous dit pas les prix, hein, c'est Noël. Bah, on connaît pas, nous. C'est Noël, en plus. Ouais. Voilà, c'est Noël, c'est normal. Hein. Donc c'est la fin de cet achat de Noël. Ouais, c'est la fin de la première partie. On se retrouve la semaine prochaine. On commence en force. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. Allez, bye bye. Bye.